que vous allez bien. Si tu fais partie de celles et ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, bienvenue à toi dans la tribu, je m'appelle Nala. Et aujourd'hui, petit Thailand Tour, comme nous en avions parlé lors du live de samedi dernier. Si tu n'étais pas présent ou présente à ce live, je t'invite à visionner le replay. Bien évidemment, tout est disponible sur ma chaîne. Du coup, nous avions fait une visite d'île de mes abonnés, enfin des îles de mes abonnés. C'était un live très très chouette. J'en bafouille, du coup j'en perds mes mots parce qu'on a fait des très très jolies découvertes. Et notamment cette île que je vais vous présenter aujourd'hui. J'avais commencé à la visiter en live et puis on s'est dit, elle est tellement jolie cette île qu'elle mérite un island tour à elle toute seule. Donc c'est l'île d'une de mes abonnées qui s'appelle Marine et je vous présente tout de suite la carte. Son île s'appelle Havre Serre. Alors je lui octroie un island tour pour elle spécifiquement, d'autant plus qu'en plus elle écrase ses îles, c'est-à-dire qu'elle ne reset pas. Donc là elle est en train de fignoler son thème tropical et elle va bientôt écraser. Avec la mise à jour de son code onirique, elle écrasera ce thème-là. Donc voilà, pour Marine, ton île est tellement jolie, je trouvais que ça méritait un island tour et donc une vidéo en souvenir. Tu pourras revisionner la vidéo autant de fois que tu le souhaites. Alors, du coup, nous avons son personnage principal de Kara. Elle a trois autres personnages secondaires qui s'appellent Blue, Cinabre et Neyfi. J'espère que je prononce bien. Et en habitant, nous avons Pierrot, Matteo, Abraham, Raymond, Blanche, Bibi, Chef, Lupa, Wolfgang, que j'adore, et Molly. Voilà, que du beau monde. Beaucoup de loups, mais vous allez le voir, c'est centré... Enfin, de ce que j'ai vu, moi, c'est plutôt centré Forest Core. Donc ça s'explique, je pense. Vous avez comme d'habitude le code onirique en bas de votre écran et moi je vous le rappellerai bien évidemment en description de cette vidéo. Vous le voyez du coup, vous le devinez derrière moi, nous sommes en automne, les arbres sont de couleur mordoré, rouge, orange, c'est magnifique. J'adore cette ambiance, vraiment, l'automne dans un CNH, j'adore, j'adore, j'adore. Alors on avait déjà ça, on l'avait vu en live ensemble, son entrée avec le camping, regardez-moi ça. Je trouve l'idée excellente. Le camping comme ça à l'entrée, je trouve ça juste génial. Voilà, l'idée est juste géniale. Elle a son camping du coup à gauche de son entrée et à droite, on trouve tout de suite deux maisons d'habitants. Voilà, ici et ici. Alors les maisons sont à peu près, je pense, dans la même veine, d'après ce que j'ai vu, entreaperçu, on va dire. Et il me semble que les intérieurs sont décorés. On va voir ça tout de suite. Oui, là il s'agit de la maison de Blanche. Un espace botanique, fleuri. C'est très très joli. C'est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette proposition d'intérieur, cette déco. Blanche, tu as un très, très bel intérieur. Très joli. Alors, malheureusement, on ne pourra pas faire toutes les maisons des habitants, hein, vous vous en doutez, puisque tous les habitants ne sont pas chez eux. Voilà. Mais on va prendre le temps de faire toutes les maisons de ces personnages. Les plages sont aménagées également. C'est très sympa. J'adore les motifs comme ça sur le sable. Les petits dessins comme ça. Oh, on a un petit copain, attendez, on va lui dire bonjour. Cinabre, bienvenue, merci. La petite nappe. Enfin, le petit plaid, on va dire, plutôt en macramé. C'est très 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 sympa. C'est vraiment ouais, très naturel, très très forêt, quoi. Oh, le petit champ, le petit potager, juste là. Alors, qui s'occupe du potager? Du coup, c'est la maison de qui? Là, il n'y a personne, mais... Bibi. C'est Bibi qui gère le potager. Alors, encore une fois, désolé, je ne sais pas s'il y a un sens pour cette visite. Moi, j'avoue que les îles naturelles, j'ai tendance à apprendre dans tous les sens. Je ne suis pas forcément un chemin tracé, mais voilà, les îles naturelles, de toute façon, il y a rarement de chemin tout tracé, c'est moins rectiligne, moins carré qu'un thème citadin. Donc là, on a une de ces maisons, on va aller la voir, on va finir de regarder l'extérieur avant.
C'est très 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 joli. Je ne regrette absolument pas de te consacrer un Island Tour, une vidéo complète Island Tour, Marie, parce que ton île est juste waouh. Allez, on va voir la bibliothèque apparemment. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh, j'adore mettre des bibliothèques comme ça au milieu. Ah, j'aime beaucoup. Moi qui suis une fan de littérature, de livres de manière générale, j'adore. Intérieur validé. On va aller voir la pièce du fond. Oh! Avec une statue carrément à l'intérieur de la maison, c'est génial. J'adore. Ça fait un petit peu espace boudoir, un petit peu. J'aime beaucoup. Tout de bleu et de blanc vêtu, cette pièce. J'aime énormément. Bravo. Alors, comme d'habitude, moi, ça, c'est la pièce de gauche. Je suis toujours dans le même ordre, dans le même sens. Oh! Ça doit être la pièce, vous savez, avec les livres rares, certainement, qu'on met derrière des balisages à cordes, dans des vitrines, etc. Je pense que ça, c'est la pièce livre rare. Livre rare, fragile, ancien. C'est une excellente idée, hein. C'est bien de faire toute une maison sur un thème bibliothèque. Je trouve ça très très chouette. Et la dernière pièce du rez-de-chaussée, la pièce de droite. Oh, là qui est un peu plus cosy. Un peu plus tamisé avec la cheminée, le vieux canapé. C'est très sympa. Et oui, du coup, souvent, lorsqu'on voit les maisons comme ça, transformées en bibliothèque, les petites pièces sur les côtés au rez-de-chaussée et dans le fond sont souvent condamnées. Et là, Marine a fait vraiment toute la maison. Je trouve ça vraiment génial. L'étage. Ah, celle-ci, elle est un peu plus vide. Tu me diras en commentaire, Marine, est-ce que c'est une pièce que tu as terminée, qui est volontairement vide ? Ou que tu n'as pas réalisé, peut-être que tu n'as pas fini d'aménager au final. On va aller voir le sous-sol. Ah, ben c'est l'espace de travail, je suppose. Vraiment la bibliothèque, et vous savez qu'on a dans l'esprit ce qu'on en fait quand on pense aux universités, aux choses comme ça, les bibliothèques universitaires. Je pense que c'est ça que t'as voulu reproduire ici. J'aime beaucoup. Avec les sièges un peu mis n'importe comment, qui sont pas forcément mis sous la table et tout, c'est exactement ça, j'adore. Je valide cette pièce également. Allez, on poursuit la visite des extérieurs. On va passer derrière sa maison, du coup. Ah, la boutique Nook. Au bord de plage, comme ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette proposition. C'est comme mettre la boutique Nook ou l'atelier de couture sur la plage. C'est assez rare, j'aime beaucoup aussi quand on voit ça. Oh, un petit haras, petite écurie, derrière la mairie, c'est très sympa. Qui habite là du coup? Chef. On l'a croisé tout à l'heure, je crois. C'est vraiment très 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 joli. Hein. Ah, ça j'adore. Ça on l'avait vu en live, la grande tablée de Thanksgiving. J'aime beaucoup. Avec les cadeaux, tout est là, il n'y a rien qui manque. C'est très 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 joli. Ça j'aime beaucoup. Je valide à 200%, je l'avais dit dans le live de samedi. C'est, je me retrouve aux États-Unis à Thanksgiving à cette période-là, c'est exactement ça. On va aller voir quel habitant habite ici. Et il s'agit de Lupa, qui a un petit atelier de couture, justement.
très charmant, à son image, avec le mur rose. C'est très 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 mignon. J'aime beaucoup. Et honnêtement, hein, c'est, enfin, pour ceux qui ont le DLC et qui ont débloqué cette fonctionnalité de personnalisation des maisons des habitants sur leur île, vous le savez certainement, c'est vraiment pas évident de décorer l'intérieur des maisons des habitants. C'est tout étriqué, c'est pas très grand. Et pour tout caser, c'est vraiment pas évident. Donc bravo. Mission réussie pour Lupa également. Allez, on continue la visite. J'aime bien, c'est tout est dans le détail. Vous voyez, la petite feuille posée, la lâchée. La feuille d'érable, la lâchée sur le sol. Les petites citrouilles un petit peu partout. Les champignons. Ah, ben on a l'atelier des sœurs doigts de fée qui est juste là, d'accord. Donc c'est pour ça que Lupa avait cette fonction, je suppose. C'est, tout est dans le détail, le petit verger de pommes. Oh, la petite bibi, trop mignonne. Alors, du coup, là, c'est un island tour un petit peu différent. D'habitude, je prends des island tours de créateurs sur Instagram ou sur Pinterest, des codes que je trouve sur Pinterest ou sur Instagram. Là, profitez-en, c'est une abonnée à la chaîne. Donc, si vous souhaitez peut-être avoir les codes des motifs qu'elle a utilisés, n'hésitez pas à lui demander. Ou toi, Marine, si tu as gardé les codes, n'hésite pas peut-être à me les envoyer sur Instagram. Je ne sais pas si tu as Insta. Mais n'hésite pas à me les envoyer et je les incorporerai en description de la vidéo. Voilà. Alors ça, c'est la maison de chef. On l'avait vu, nous, en live. Je vais vous la remontrer. Là, il est là. C'est pas chef, c'est Pierrot, pardon. Il est chez lui, donc on va retourner voir. Mais regardez-moi ça, comme c'est joli. C'est très, très, très joli. Ça, j'adore. Des petits bouts de plage comme ça, mais où vous avez suffisamment de place pour mettre une maison d'habitants. Je trouve ça très, très, très sympa. Faites-le. Vraiment, faites-le. Exploitez ces petites plages-là, comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des habitants dessus. Ça fait très, très, très sympa. Et voici l'intérieur de la maison de Pierrot. Une maison un peu plus classique, cette fois. Un intérieur classique avec l'espace salle à manger, cuisine, chambre et douche. C'est très 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 sympa également. Donc là on joue avec les cloisons pour délimiter les pièces. C'est très 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 sympa. Allez, on continue. On va traverser le pont. Là, je pense qu'on a fait toute la partie au niveau du bureau des résidents, là. La première rive, là. Toute la partie en bas à droite. On va aller en bas à gauche. C'est vraiment très joli. Qu'est-ce que j'adore les îles naturelles comme ça. Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Je rêve de pouvoir reproduire ce genre d'île. Oh, c'est trop mignon. On a le petit bureau de poste et la petite boulangerie. C'est trop, trop, trop mignon. Ah, j'aime beaucoup. Avec Bibi qui se balade. C'est trop mignon. Ah, c'est très, très joli. Très réussi. J'ai hâte de pouvoir faire une boulangerie. Je voulais la faire, là, sur Moonstone, là, maintenant. Mais je pense que j'ai pas suffisamment de recettes qui vont dans l'esprit d'une boulangerie, de tartes, de choses comme ça. Donc peut-être cet automne, peut-être l'intégrer justement cet automne sur mon île, ma version urbaine de Moonstone, pourquoi pas. Oh, j'adore les cascades comme ça. Regardez. Hop, on reviendra ici après. Oh, attendez, on a une nouvelle copine. Ah, c'est Cara, bienvenue, merci beaucoup. Oh, en plus elle a mis un fossile. Oh. Oh, c'est très sympa. C'est très 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 sympa. Ah, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à voir le fossile. Je voulais vous montrer la structure, là. Je m'attendais pas à voir le fossile. C'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Moi, j'adore. J'adore ces grosses structures comme ça, avec... Vous voyez, du coup, je sais pas si... Ah, ben, on peut y aller. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer vu du haut. Vous voyez, voilà. Avec, voilà. Faire comme une espèce de croix avec l'eau. Vous voyez, au niveau des cascades. Je trouve ça très joli. Vu du dessus, c'est très 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 joli. C'est juste, vous faites un grand carré, vous en faites un deuxième par-dessus et vous créez vos cours d'eau, vos cascades. C'est pas très compliqué, il faut un petit peu de place, mais c'est pas très compliqué et le résultat est juste waouh, moi je trouve.
Alors là, on a un petit coin pêche, petite zone de pêche. Je pense que, ouais, avec le fossile derrière, ça fait son effet quand même, hein. Ça fait son petit effet, hein. Oh, c'est très 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 joli, hein. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment de bon goût. Les teintes, le choix des motifs, ils sont tous un petit peu dans les mêmes couleurs, dans le même esprit. C'est vraiment très 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 joli. C'est une île réalisée avec beaucoup de goût, je te le redis Marine, mais ton île est magnifique. J'adore ce genre d'île. Oh, la petite... le petit port, la petite marina, on va dire. C'est très joli. Non, j'adore. J'adore. Alors ici, Abraham. On pourra pas aller voir sa maison, du coup. Ben oui, il est là. Il est là, toujours avec les grandes tablées. Alors ici, on va voir. J'adore les petits jardins aussi, c'est trop mignon. Et il s'agit de Wolfgang. J'adore cet habitant. Oh, je vous dis, si je peux le faire partir de ma troisième île et le mettre sur Moonstone. Non, je voulais pas que tu t'assoies. Je voulais juste passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous voyez encore avec une cloison pour faire une séparation, pour bien délimiter l'espace nuit et l'espace jour. Une seule cloison, ça suffit. C'est un intérieur basique, mais ça fait le taf. Pour une maison d'habitants, c'est très très bien. Très sympa. Et là, je reviens sur son petit extérieur. Regardez juste, il n'y a pas grand chose. Hein. Un hamac, un petit fauteuil jonc, une petite table, un petit guéridon, des chaussures et un arbre. Et c'est... Enfin, moi, je trouve ça juste génial, en fait. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Le petit vélo à côté, ça fait vraiment... Enfin, ouais, ça fait vraiment petit jardin de maison, quoi. Enfin, je trouve ça très, très réaliste, en fait. Moi, j'adore. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des jardins immenses pour ses habitants. Hein. Un petit jardin comme ça... Alors, là, c'est qui? Bah, écoutez, on va aller voir. On va se faire la surprise aussi. Allez, c'est parti. Ah. Ah, c'est Mathéo. Tu te cachais, coquin. Coquin. Il nous a vraiment laissé la surprise jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment très sympa. Tout est... Bah, le choix des teintes... Tout est dans le même esprit en termes de couleurs. J'avais jamais remarqué, tiens, l'arrière du miroir, du petit miroir, là. Une espèce de rose des vents derrière. J'avais pas remarqué qu'il y avait ça derrière le miroir. C'est très 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 joli. C'est vraiment de bon goût. Hein. C'est à la fois épuré et il y a tout ce qu'il faut. Et c'est harmonieux. C'est ce que j'aime en fait. Et là pareil, un petit jardin pour Mathéo. Un petit jardin aussi pour Abraham ici. Ça suffit. Je pense que je ferai ça sur la version justement urbaine de Moonstone. Je leur ferai juste des petits carrés de jardin, ça suffit largement. Là, on est dans un esprit naturel, mais pour un esprit urbain, ça marche aussi. Allez, on va passer par ici. Mais ils sont bien les garçons, là, en tout cas. Hein. Ah, il y en a un autre, là. Là, c'était qui, du coup? Raymond. Bon, Raymond, on l'a croisé tout à l'heure. Ah! Le petit stand de surf, ici. Très sympa. Ah, il est là-bas, Raymond. Très 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 sympa. Un autre potager ici. Oh, avec les petits cochons. Oh là là, c'est mignon. Oh. Attendez, peut-être comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est très 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 mignon. Mais vraiment. J'adore. Mais même les motifs, tout est... C'est... Enfin, je valide. Voilà, j'adore. Je me répète, mais vraiment, Marine, je suis en amour pour ton île. Vraiment. J'ai hâte de découvrir ton île tropicale. Hein. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, elle fait une île tropicale. À la place de celle-ci, elle vient de la finir, ou elle est en train de la finir, je me souviens plus. Oh, la petite fontaine à vœux, comme une petite fontaine à vœux, c'est trop mignon. La petite pièce. Oh, là, par contre, c'est... Ouais, c'est très... Les roses d'or.
Alors, on doit avoir un point de vue ici. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est très joli. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Les arbres là dans le fond, le pont, les petits pas japonais sur l'eau. Oh, j'adore. Même comme ça là. Hein. Oh, là comme ça, c'est peut-être mieux. On n'a plus la maison. On a ton personnage de Blue qui se balade. C'est trop, trop mignon. Mais vraiment, j'adore cette vue. J'adore. C'est apaisant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que je peux redescendre là ou pas? Non. Allez, on va passer. On va redescendre ici. Alors, du coup, on a une maison ici. De qui s'agit-il? Ah, il n'y a personne. C'est Molly. Oh, bah dis donc, elle a un côté chicos, hein, Molly, hein? Donc là, j'ai l'impression que ça doit être un petit restaurant de sushi, peut-être, un petit bar à sushi. Ou un resto italien. Je sais pas. Les plats ont l'air italiens, mais sur le panneau, là, c'est des sushis. Donc je ne sais pas. Tu nous diras, Marine. C'est vrai que c'est dommage. À chaque fois, je me répète, mais c'est dommage que tous les habitants ne soient pas chez eux quand on visite des îles en code onirique. Je trouve ça très, très, très dommage. Les potions. Eh bien, je suis curieuse, on va aller voir. Oh! Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup cette pièce. Enfin, cette maison, en fait. Avec une pièce. J'adore. J'adore. J'ai pas de mots en fait. C'est très 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 joli. Eh ben, bravo, bravo, bravo. J'adore cet intérieur. Et ça, voilà. Ça, j'adore. J'avais... Alors moi j'en avais fait un plus petit je crois sur Excalibur. Mais vous mettez juste votre zone, votre carré de terre et vous plantez des schistoga un peu partout. Regardez l'effet que ça fait. Moi, je trouve ça génial. Ça peut changer des fleurs. Ça peut faire très, très, très sympa. Je l'avais mis, moi, dans mon petit espace botanique sur Excalibur et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Oh, oh là là, les arbres et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Le point de vue, là, derrière la maison, j'adore. Donc là, du coup, on est chez... Parce qu'on a fait deux maisons, du coup. Hein. On a visité donc la maison de Neyfi et la maison de Cinabre. D'accord, donc Blue est en haut à gauche et Kara en haut à droite. D'accord. On a encore pas mal de zones à faire, là, hein, dis donc. Et là, on est sur un petit îlot, alors, du coup. Ok, on rejoint l'atelier des sortes de fées par ici. D'accord. J'aime beaucoup aussi cette proposition de mettre sur un petit îlot comme ça les maisons, enfin un petit coin comme ça, c'est très sympa, relié par des ponts et tout ça, j'adore. J'adore. Alors attendez, est-ce qu'on a une vue ici? Si je me mets comme ça. Ah oui. Ouais. On a une vue qui est sympa là. On a une vue, ah oui, qui est très sympa même. Qui est très 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 jolie. Ça j'aime beaucoup. Avec le soleil là. Je sais pas à quelle heure tu as enregistré ton île, Marine, mais la luminosité là, ça rend très sympa. Les vignes là accrochées aux falaises et tout, c'est très 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 sympa. J'aime beaucoup. Je me répète, hein, je suis désolée, au bout d'un moment j'ai plus de... j'ai plus d'adjectifs, mais... Oh, une école! Attendez, oh, je me suis bloquée encore. Oh, je suis insupportable. Insupportable. Incorrigible. Oh, mon plaisir. Oh, un champ de céréales. Oui. J'adore courir dans les champs de céréales. Ça, j'aime bien aussi. Tous les petits plans d'eau que tu as mis comme ça partout. C'est très mignon.
J'aime beaucoup aussi l'idée de mettre des bambuches entre les guirlandes de fêtes là. Voilà, ça j'adore l'idée. Eh bien allons-y, je suis curieuse de découvrir l'école de l'île de Marine, c'est parti. Alors, le hall d'entrée. Donc ça c'est la maison de Blue, du coup. Toutes les pièces, t'as dû faire toutes les pièces encore une fois. Tu n'as bloqué aucun accès là pour le moment. Je suis curieuse de voir quel type d'école tu as fait. On va voir. Allez, on fait la pièce du fond comme d'habitude. Ah, ça doit être le bureau du proviseur. ça doit être le bureau du proviseur, certainement. Très sympa. Ce mur-là, je l'ai déjà dit samedi parce que sur l'île, je crois que c'est sur l'île de Luna qu'elle avait utilisé ce mur, ce papier peint. J'adore. Le mur fenêtre cintré, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, petit spoil, il sera utilisé sur Roseray. Voilà, je vous laisse deviner dans quelle maison, dans quelle pièce, mais il sera utilisé sur Roseray. Allez, toujours au rez-de-chaussée, la pièce de gauche, le réfectoire. Qui est très sympa. Je pense que tous les écoliers aimeraient un réfectoire comme ça. Ça fait penser, en fait, je pense que tu as peut-être voulu reproduire... Je vais voir s'il y a un dortoir, mais moi ça me fait penser à un pensionnat. Je me trompe peut-être, on va voir. Ça me fait penser à une cuisine de pensionnat, en fait. Allez, on va voir la pièce de droite. La bibliothèque. C'est assez chic hein, comme école. Hein. C'est assez chic, j'ai l'impression. Très joli. J'adore hein, cette idée de mettre les chaises pas toutes au même niveau, pas toutes du même côté. J'aime beaucoup. Je te reprendrai l'idée, j'adore. Allez, on va faire la pièce de l'étage. Ah, la salle de cours. Qui fait très fac. On dirait un amphi. Moi, ça me fait penser à un amphi. J'ai l'impression de revenir plus de 20 ans en arrière, quand j'étais en fac de droit. On n'avait pas ce mur-là, hein. C'était un peu plus décrépit quand même hein, dans mon amphi, mais ouais, ça ressemble à une salle d'amphi. Allez, on va finir par le sous-sol pour cette maison. Un amphi de nouveau. Alors c'est peut-être une fac finalement, c'est peut-être une école, mais une grande école en fait. Peut-être une grande école privée ou... Donc je me suis trompée, ce n'était point un internat. En tout cas, c'est très sympa. Encore une très très belle maison, j'ai hâte de voir la dernière. Allez, nous voilà de retour en extérieur. Je pense que là... Oui, on arrive... Ah ben on a la péninsule ici. Ah, oh, t'as fait un observatoire, c'est chouette. Parce que t'avais une toute petite péninsule, une péninsule très fine. Et t'as réussi à faire quelque chose de chouette. C'est très très bien. Mais non, mais pourquoi je passe par là en fait? N'importe quoi. On va revenir par... Ouh, oui! On va revenir par les champs de céréales. Alors, je regarde vite fait la carte. Du coup, il y a un pont qui est au-dessus de ta maison de sorcellerie. Je sais pas trop comment on peut l'appeler, cette maison. Ah, mais il y avait un petit extérieur, là, j'avais pas vu. Ah oui! Très sympa! Oh, c'est joli, hein. Oh là là, les vues là, mon dieu, c'est magnifique. C'est très 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 joli. Oh, j'adore. Alors ça, j'adore. Ce sera peut-être la vignette de cette Island Tour. Je pense que ça va être difficile de choisir, mais j'aime beaucoup cette vue. Je valide cette vue.
Allez, on va aller du coup sur les hauteurs. Donc là, oui c'est ça, il nous reste la maison de ton personnage principal et le musée. On n'a pas fait la zone du musée, on n'a pas fait le camping aussi, oui. C'est vrai, il est là le camping. Oh j'adore. Ah le motif de short là par terre, j'adore. Excellent. Ah non, là c'est le musée. C'est génial, la tente pour enfants, là, avec le petit spot de pêche sur un petit îlot. Oh! Ah, c'est sympa aussi, là, le musée. L'entrée du musée est très sympa. L'entrée du musée est très, très, très sympa. J'aime beaucoup. Cette symétrie, là, avec l'allée de bambou, la sculpture en plein milieu... Ah non, c'est très 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 sympa. Mais c'est vrai que... Attendez, on n'a pas vu le camping. Il est où le camping? Ah bah si, il est à l'entrée le camping, je suis bête. Mais si on l'a vu le camping, là il est à l'entrée. Est-ce qu'on peut grimper ici? Non. Ah, c'est dommage. Je pense que le point de vue aurait été sympa. Est-ce qu'on peut y aller? Ah, mais là, attendez. Voilà. Voilà. Je pense que là, on va avoir un point de vue qui peut être assez sympa. Très sympa même. Avec le musée là qu'on devine au fond, c'est très sympa. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, donc là, on est à côté de ta maison avec les potions. La maison de ton personnage est ici, d'accord. Alors, je vais essayer d'arriver par l'entrée, tant qu'à faire. Ok, c'était là. Oh là là, c'est joli. C'est quand même très joli. Très 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 mignon. Bravo à toi Marine, vraiment. Tu as des zones qui sont vraiment très 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 jolies. Toutes les zones en fait sont jolies. Ah, il y a un petit... Oh, attendez, on ira voir après. On va aller voir l'intérieur de ta maison et puis on ira prendre ce petit chemin, ça m'intrigue. Alors, j'allais dire, est-ce qu'on est sur une maison un petit peu plus standard? Eh bien, j'ai l'impression que oui. En tout cas, la première pièce, salle à manger... Bureau, salon, pièce de vie. Voilà, la pièce de vie. J'ai l'impression que c'est une maison un peu plus standard, celle-ci. Ou en tout cas, qu'il n'y a pas d'activité spécifique ou de thème spécifique dans cette maison. On peut passer? Non. Allez, la pièce du fond. Comme d'habitude, vous me connaissez. C'est parti. Ouais, c'est une maison standard, je pense. La chambre, très jolie. Très 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 jolie. Les guirlandes là de fleurs séchées au mur, j'adore cet item. J'adore. Et il y a le bouquet aussi, le bouquet mural. J'ai vu, je pense que tu aimes aussi, parce que j'ai vu que tu en avais mis pas mal sur, dans tes maisons. Et j'aime beaucoup ces deux items là, je les aime énormément aussi. C'est très 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 sympa. Oh, la salle de bain. Salle de douche. C'est très rare de voir des salles de douche dans ACNH, je trouve. On a souvent tendance à mettre une baignoire ou un jacuzzi, peu importe. Mais juste une douche, c'est très très rare. J'en vois pas beaucoup, moi. Ah, toi aussi, t'as utilisé la petite étagère de bouteilles là, dans la salle de bain. J'adore cette idée. Je l'avais reprise aussi sur... Je crois que c'était sur Excalibur aussi. Je me souviens plus. Je crois que c'était sur Excalibur que je l'avais reprise aussi, cette idée. C'est très 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 joli. La cuisine. Oh, très rustique. Oh, avec ce sol que j'adore. Le sol pierre naturel. Je l'adore, ce sol. Je l'adore.
Alors cette pièce, un vrai coup de cœur. Vraiment. Très rustique, très. Je valide tous les items que tu as choisis, tous les meubles. J'aime beaucoup cette pièce. J'adore. J'adore. Très très jolie cuisine. Je valide à 100%. Bravo, j'ai hâte de voir l'étage. Allez, on y va. Oh! Ah, c'est le grenier! Ah, génial! Ah oui, une vraie fonction de grenier, quoi. Ah, j'adore! J'adore! Ah oui, j'adore! C'est vrai, on remise le sapin et tout. Oh, c'est génial. Bon, en général, on retire les décos quand même hein, avant. Mais. Ah, j'adore! J'aime beaucoup. Avec les tonneaux, les ballots de paille par terre, les vieux meubles. Oh! Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très bonne idée. Et du coup, j'avais hâte de voir le sous-sol. Eh bien, c'est une suite parentale, j'ai l'impression. Très sympa. C'est vraiment original parce qu'on a souvent tendance à faire une grande chambre à l'étage. Et le sous-sol sert de remise. Et toi, tu as fait le contraire et j'aime beaucoup. Ça change. Eh bien, bravo, 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 bravo. Allez, on va terminer cette visite. Je pense qu'on est à la fin là. On a dû faire le tour déjà. Par ce petit chemin que j'ai vu là-bas, qui m'intrigue. Je pense qu'il doit amener à la plage de Runar, certainement, parce qu'on ne l'a pas vu encore. Ah, mais non, la plage de Runar, elle était de l'autre côté. Non, non, ça mène juste à une petite plage, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas vu la plage de Runar. Je sais pas si t'avais fait quelque chose. C'est bien, parce que t'as fait comme un petit chemin qui amène vers une plage privée, en fait, derrière chez toi. C'est très, très cool. Ah ouais, là t'as ton estuaire. J'adore. Est-ce qu'on peut aller là sur le petit... Oh là. C'est quand même très joli. Hein. Mais vraiment, hein, c'est une très très belle île. J'ai hâte de lire vos retours à propos de cette île, de me dire ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Vraiment, je te le dis, Marine, bravo. Bravo, 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 parce que tu as accompli un boulot de dingue. Je crois que je t'avais posé la question samedi, mais je ne me souviens plus si tu m'avais répondu ou pas. Combien d'heures de travail sur cette île? Je suis curieuse de savoir combien d'heures de travail sur cette île. Oh là là, regardez-moi ça. Même ça, c'est joli en fait. Même cette vue-là, avec juste la boutique, là, l'enseigne qui se dessine derrière les arbres. La lumière, là, regardez-moi ça, la luminosité. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Bah, bravo à toi. Vraiment bravo, bravo, bravo. Très, très jolie île. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu lui consacrer un island tour complet. Parce que vraiment, elle le mérite. Mais vraiment, elle mérite un island tour, ton île. Et t'as rien à envier aux créateurs qu'on voit sur Pinterest, sur Instagram, enfin voilà, c'est vraiment, c'est très 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 joli. Et je suis fière d'avoir pu visiter ton île, vraiment, je suis très très fière et très heureuse d'avoir pu la visiter. Je ne sais pas si je peux monter là, parce que je pense qu'il y a d'ailleurs un point de vue sympa. Ah mince, on peut pas passer. Ah si. Est-ce que je peux là? Oui. Oh. C'est vraiment une ambiance zen en fait, hein. Très chill qui se dégage de ton île et j'adore. De toute façon, je suis fan moi des îles automnales, vous le savez. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. J'aime beaucoup l'ambiance automnale sur ACNH, vraiment. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un boulot de dingue sur les îles automnales, vraiment, enfin sur l'ambiance d'automne. Moi, j'aime beaucoup.
Allez, bah écoutez, on va se quitter sur ce petit pont de pierre avec sa très jolie vue. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est très très joli. Et avec ton petit perso en plus qui se balade. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Merci à toi, Marine. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir accepté que je visite ton île, en tout cas sur la chaîne. Ça me touche énormément. Et je suis très contente de cette belle découverte parce que franchement, tu as fait un boulot vraiment magnifique. Voilà, donc bravo à toi encore une fois. J'espère en tout cas que cette visite ne t'a pas déçu. J'espère que je ne t'ai pas déçu en tout cas. Que je n'ai pas oublié de zones, surtout moi c'est ça qui me stresse en fait dans les Island Tours. J'ai toujours peur d'oublier des zones sur vos îles. Donc j'espère vraiment que je n'ai rien oublié, qu'il n'y a pas un autre coin que j'aurais oublié de montrer. Vraiment, j'espère. Et j'espère que cette île vous aura plu à vous tous, à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce en l'air sur cette vidéo, vraiment, parce que Marine le mérite, mais vraiment. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre sur YouTube, surtout. Je vous demande rarement ça, mais là vraiment, j'aimerais que cette vidéo fasse beaucoup de vues. Parce que Marine le mérite. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, surtout parce que c'est ce qui fait remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. C'est les pouces en haut et les commentaires. Donc n'hésitez pas vraiment sur cette vidéo, lâchez-vous, histoire qu'elle soit en bonne position et que beaucoup de monde puisse la découvrir. Voilà. Moi en tout cas, eh bien, c'est sur ce très joli point de vue que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais des très très gros bisous, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et nous on se retrouve dès demain en live sur Moonstone à partir de 10h. Voilà. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut tout le monde!